Bonjour à tous, c'est Materia et bienvenue dans Les Bons Jeux selon Materia, bande de champignons. Ici, c'est le 18ème World Through de la chaîne et comme vous pouvez le voir, je me lance dans des jeux un peu plus vieux. Cette fois, il s'agit de Harry Potter, le tout premier sur PC. J'ai beaucoup parlé de ce jeu avec mon entourage ou quoi, il y avait pas mal qui avaient joué, mais en général, c'était la version PS1. Alors, je me suis renseigné un peu, j'ai regardé des vidéos ou quoi. Et il faut dire qu'elle est pas mal différente, donc même si vous avez déjà fait la version PS1, je vous invite à voir celle-là, voir un peu ce qui change. Pourquoi je me remets à des jeux plus vieux? Parce que là, transition, ça fait quand même Mario Galaxy, Amnesia, Harry Potter. Et ensuite, après Harry Potter, je peux très bien enchaîner sur un truc genre Silent Hill. Donc bon, c'est des bons jeux, oui, il y en a de tous les jours, et je fais des transitions sans aucune forme de pitié. Je me suis rendu compte que les jeux que je faisais dernièrement, c'était des jeux assez récents, quoi. C'était genre Mario Galaxy ou les Amnesia. Je me suis dit, ouais, je m'éloigne un petit peu de ce que je voulais faire à la base, c'est des jeux plus plus Madeleine de Proust, quoi. C'est le souvenir des bons jeux ou des jeux qu'on a adorés quand on était plus jeune ou quoi. Donc là, je reviens vers ça et pour moi, c'était Harry Potter, j'avais adoré ce jeu à sa sortie. Et franchement, je trouve qu'on n'est pas obligé d'être un fan de Harry Potter pour apprécier ce jeu. C'est une super ambiance, des bonnes musiques, c'est un jeu de plateforme assez sympa. C'est assez basique, mais franchement très sympa. Donc on va voir ça ensemble, c'est parti. J'avais déjà fait une partie pour faire un test vidéo. Et on va démarrer tout de suite avec la cinématique qu'on ne peut pas passer, mais... C'est pas grave, je l'adore, même si je la connais par cœur. C'est parti. Rien dans le ciel étoilé ne laissait prévoir que des choses étranges et mystérieuses allaient bientôt se produire. Alors que les moldus dormaient du sommeil de l'innocence, une énorme moto, chevauchée par un véritable géant, perça les ténèbres. Le géant, qui répondait au nom de Hagrid, laissa un petit tas de couvertures devant la porte du 4 Private Drive. Niché au cœur de ce paquet rudimentaire, dormait un bébé. Harry Potter, le survivant. Harry passa les 11 années qui suivirent cette étrange nuit chez son oncle et sa tante, les Dursley. Jusqu'à ce jour, que Harry ne devait jamais oublier, ce jour où il reçut la lettre qui l'invitait à poursuivre ses études au collège Poudlard, école de sorcellerie. Hagrid emmena Harry sur le chemin de traverse afin qu'il y fasse acquisition de fournitures scolaires pour le moins insolites. Chez Gringotts, la banque des sorciers, Hagrid récupéra un étrange paquet dans le coffre numéro 713. Il mentionna à Harry que ceux qui se trouvaient à l'intérieur, peu importe ce que cela pouvait être d'ailleurs, seraient plus en sécurité à Poudlard. Peu après, Harry monta dans le Poudlard Express et regarda s'éloigner la voie 9¾. Il quittait sans regret le monde des moldus. Dumbledore se leva. Cette année, l'accès au couloir du deuxième étage est formellement interdit, à moins que vous ne teniez absolument à mourir dans d'atroces souffrances. Harry mit le chapeau magique, espérant de toutes ses forces être envoyé à Gryffondor et échapper à Serpentard. Pas à Serpentard, dit le chapeau à son oreille. Tu as d'immenses qualités, je le vois dans ta tête, et Serpentard t'aiderait singulièrement sur le chemin de la grandeur, non?
Très bien. Si tu es sûr de toi, il vaut mieux t'envoyer à... Gryffondor. Collège Poudlard, école de sorciers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Albus Dumbledore, votre directeur. À Poudlard, Harry, l'aventure peut se trouver derrière chaque porte. Mais avant de te précipiter, laisse-moi te rappeler que certains secrets sont faits pour rester secrets. Tiens, ce matin même, je me suis un peu perdu dans les couloirs et j'ai découvert une salle remplie de choco-grenouilles. Mais quand j'y suis retourné un peu plus tard, je suis tombé sur une horde malveillante de crabes de feu. Et maintenant, grimpe les escaliers et rejoins ta classe. Ne sois pas en retard à ton prochain cours. Oh merde, j'avais oublié à quel point elles étaient choquantes ces lunettes. Oh sérieusement, c'est... on dirait des... des grosses lunettes 3D de cinéma, regarde. Le cours a lieu au troisième étage. Dépêche-toi. Oh la vache. Ouais, j'avais oublié que c'était un peu choquant aussi les contrôles au début. Parce que contrairement à n'importe quel jeu à troisième personne où je préfère me déplacer latéralement, là on est obligé de s'incliner au lieu de se déplacer directement à gauche à droite. Donc nous voici dans le hall de Poudlard, c'est incroyable, on est dans le monde d'Harry Potter. D'ailleurs, il me semble que la version PS1 démarre directement au chemin de traverse, si je dis pas de conneries. On peut déjà lancer des sorts alors qu'il ne connaît pas de magie, c'est fabuleux. Et ce qui me fait marrer, c'est que après la réunion avec tous les premières années ou quoi, il vient quand même voir nous pour nous dire « Ah bonjour, je suis Albus Dumbledore » ou quoi. Alors qu'il vient de faire son speech à l'instant. Mais c'est pas grave. Ça fait vraiment bizarre de revenir sur ce jeu, ça fait hyper longtemps quoi. Souviens-moi, Ron Wesley, Fred et George, mes frères veulent te montrer quelque chose. Viens, suis-moi. Et si je veux pas? Faut jamais suivre un requin comme ça, c'est dangereux. La caméra est un petit peu bizarre, excusez-moi. Attends, j'étais persuadé de l'avoir déjà fait ça. Sensibilité souris, voilà, c'est déjà mieux. Ouais, enfin, vite fait quoi. C'est pas grave, on va s'y faire, on est de retour sur ce jeu. Mais ça va, je sais où t'es parti, ce pecno de roue. Ah! Salut Harry, si tu veux, on peut te montrer comment me déplacer dans Poudlard. En tant que première année, tu as beaucoup à apprendre. Suis-nous. Ce qui me fait marrer, c'est que Ron, il a l'air étonné en permanence. Quoi. Bah oui, à l'époque, on n'animait pas encore les visages, enfin, pas sur ce jeu-là en tout cas. Donc tous les personnages ont la même expression pendant tout le jeu. On va t'apprendre à escalader. Cours vers l'étagère et ne t'arrête pas, tu vas voir, tu l'escaladeras automatiquement. Au-dessus de l'étagère, tu trouveras une dragée surprise de Bertie Crochu. Récupère toutes les dragées que tu trouves et retrouve-nous dans la pièce voisine. Les dragées surprises, c'est les points dans ce jeu, on va dire. Ça sert pas à grand chose à part plus tard pour eux, vous le verrez bien. Je suis pas non plus un grand fan de Harry Potter. J'ai beaucoup aimé étant petit les films, je les ai tous vus, j'adorais ça. À partir d'un certain moment, puis au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire ouais, les livres ils ont pas l'air si mal que ça. Alors il me semble que je les ai tous lus. Mais le 1, c'est vraiment celui qui m'a le moins marqué, je trouvais justement qu'il faisait un peu trop gamin pour son univers. J'ai plus adoré genre le 5, le 6, le 7, j'ai lu un bon paquet de fois. Bien joué! À présent, essaie de sauter. Cours jusqu'au bord, puis appuie sur la touche de saut. Si tu tombes, tu peux regrimper jusqu'ici et recommencer. Hey, bonjour Harry, on va t'apprendre à te briser les genoux si tu te rates. Nous, on va prendre le raccourci et on te rejoint là-bas. Il est quand même vachement dangereux ce monde. C'est quoi déjà sauter? Parce que là... Ah oui, mais ça joue comment déjà? C'est quoi déjà la touche de saut la plus proche? Parce que là, je suis obligé de jouer à croix directionnelle. Non, c'est pas possible. Je ne jouerai pas avec la croix directionnelle. C'est un principe de gamer, c'est tout. On joue pas à la croix directionnelle. Mais j'ai demandé W, etc. Non, Z, voilà. Hein. Là, sauter. Je te nique tout ton
ton truc fait de base, moi je veux ça, ça, ça accéléré. S'en fout, allez, ça ce sera plus tard pour le balai. Ah là c'est mieux, voilà. Tiens, ils sautent vraiment en mode, oh je suis fabuleux. Désolé. Alors pour sauter, d'ailleurs je crois qu'il n'y a même pas besoin de sauter. Si, on peut activer le saut automatique dès qu'on arrive près d'un bord, mais je l'ai quand même pas activé celui-là. Ah, je l'avais oublié lui. C'est Pibbs, l'esprit frappeur. Il cherche toujours à faire des ennuis. Pibbs ne supporte pas les premières années, alors méfie-toi de lui. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers Harry Potter, Pibbs c'est le troll de l'école. Ouais, son grand passe-temps c'est d'emmerder tout le monde, surtout les premières années. Je ne crois pas qu'il apparaît dans les films. Je me souviens plus trop. Mais sauf que dans le jeu, il est encore pire, c'est qu'il nous fait mal, il peut nous tuer. Son bizutage, c'est de tuer les premières années, quoi. Tu commences à attraper le coup, on dirait. À Poudlard, tu trouveras plein de cadeaux extra. Pour les ramasser, il te suffit de marcher dessus. Les chocogrenouilles te permettent de refaire le plein d'énergie. Et tu peux aussi faire une collection de dragées surprises de Bertie Crochu. Nous aussi, on en fait collection. Il nous faut 25 dragées, Harry. Reviens nous voir quand tu les auras trouvées. Viens nous voir, et on te montrera comment te rendre à ton cours. Ouais, leur grand passe-temps, eux, c'est de collectionner les dragées pour une raison... pour la raison, voilà. Je vois pas d'autre explication. Enfin, si, il y a une explication à la fin, vous verrez bien. Mais sinon, à part faire un gros trafic à l'échelle de toute l'école, je vois pas. Ah. J'avais oublié à quel point c'était un petit peu lourd quand même les contrôles sur ce jeu. Alors avec le 1, franchement, j'hésite toujours, même aujourd'hui, à me dire lequel je préfère entre le 1 et le 2 de jeu Harry Potter. Donc les deux sont juste géniaux. Et le 2, il y a quand même pas mal d'améliorations, que ce soit animation, contrôle ou tout ce qu'on puisse faire. Donc je vais dire que pour les souvenirs ou quoi, ce serait plus le 1. Mais pour niveau jouabilité ou quoi, on va dire que c'est le 2. Donc c'est à la fois le 1 et le 2, mon préféré. Nah. Le 3, je pense pas du tout que je le ferai. Le 2, c'est sûr, mais le 3, non. Parce que je l'ai trouvé sympa. Pas mal du tout niveau amélioration ou quoi, mais vachement court. Et la suite, je vais en parler après. Parce que là, merci, il me faut ma carte. On n'y serait jamais arrivé sans ton aide. On a besoin des dragées pour une expérience. Tiens, voici une carte des sorcières et sorciers célèbres. Tu l'as bien méritée. C'est ça, peut-être que les premières années se shootent aux dragées surprises en fait. Escalade les étagères et passe par la sortie secrète qui se trouve dans le plafond pour aller à ton premier cours d'enchantement. Bonne chance. Merci. Là, c'est un truc qui m'a toujours fait marrer dans les jeux Harry Potter, c'est qu'on peut collectionner les cartes des grands sorciers et voir un peu les descriptions. Ça m'a toujours fait rire d'en apprendre un peu plus sur l'univers d'un jeu comme ça. Mais n'importe quel jeu, que ce soit Clive Barker, Jericho, j'adore voir les biographies des boss ou quoi. Dans Harry Potter, c'est le grimoire avec les différents sorciers. Ou encore dans Batman, la série Arkham avec les différents ennemis, les biographies, etc. Vie encore actuel directeur de College Poudlard en sorcier et des temps modernes. Et on peut en avoir, mais plein. Et je n'ai jamais... Si, je crois que j'ai réussi qu'une fois à voir toutes les cartes, parce que je me démerde toujours à un moment pour en oublier une. Et bien sûr, dans ce jeu, si on rate une carte, on a raté une carte, on recommence, hein, si on veut avoir un 100%. Alors oui, j'allais parler de Harry Potter 4, le jeu. Alors à partir du 4, c'est pas du tout le même délire. On part totalement dans un trip plus sérieux, plus basé sur l'action. Mais regardez qui bien est sûr, là. Lui, il faut qu'il m'interrompe. Ne serait-ce pas le célèbre Harry Potter? Au cas où tu ne le saurais pas, je m'appelle Drago Malfoy, et ici tout le monde me respecte. Ce sont mes deux amis serpenteurs, Crabbe et Goyle. Il est bien évident que nous, les serpenteurs, nous allons remporter la Coupe des Coupes des Quatre et la Coupe de Quidditch. Tu ferais mieux de ne pas te mettre en travers de notre chemin, Potter. Allez les gars, on s'en va. Je rêve où il est un peu bugué. Le tartare. Aucune idée, c'est pas grave.
le chieur de service, c'est toujours le pion qui est toujours de mauvaise humeur. Bah, dans Harry Potter, c'est Russard. Allez, circulez, Potter. Ne restez pas dans le couloir si vous voulez éviter les ennuis. Oh, merde. J'aime bien, c'est qu'il dit ça, mais de manière totalement gratuite. J'ai jamais compris pourquoi. C'est pas grave. Donc, les serpents tartares, voilà, c'était avec Drago Malfoy, pas Malfoy. Putain, ils traduisent tout, mais bizarrement, je sais pas si vous avez entendu au début, c'est Harry Potter. Bon, ça, Ron, ils l'ont pas appelé Ron non plus, ça aurait été un peu con. Alors, Harry Potter 4, que je ne ferai sûrement pas, parce que, bon, il est marrant, mais c'est pas du tout un type de jeu qui me plaît. Le 5, j'ai même pas essayé, visiblement, c'était un gros flop. Le 6, ça se passe de commentaires, et après, je parle même plus de ce qui s'est fait après. Donc, pour moi, les gros coups de cœur des jeux vidéo Harry Potter, ça reste le 1 et le 2. Bonjour Harry, je m'appelle Hermione Granger. Granger. Nous nous sommes rencontrés dans le Connasse. Poudlard Express, tu te souviens? Le cours de défense contre les forces du mal a lieu derrière cette porte, suis-moi. Putain, mais ces prononciations quoi, Potter, Granger, Malfoy, ça fait vraiment mais comme les Zelda CD quoi, Ganon. Ganon et ses fidèles. Je suis le professeur Quirrell. Aujourd'hui, nous allons apprendre un maléfice de protection contre les forces du mal, le Flippendo. Regardez ma baguette. Ensuite, oui, il bégaye, le professeur Quirrell. C'est un peu la victime des professeurs. Ça fait vraiment la grosse victime. Il a toujours des idées bizarres derrière la tête. Si vous voyez ce que je veux dire. Toujours des trucs tordus, hein. Voilà, donc ça c'est les séances d'apprentissage du sort. Le but c'est de faire le truc le plus proprement possible. Pour avoir un maximum de points. Ouais, c'est pas si évident. Enfin, je dis ça parce que je suis nul, hein. Voilà. Il y a 4 étapes. Et plus on réussit d'étapes, plus ça fait des points à Gryffondor. Les points à Gryffondor, ça influe sur rien du tout. C'est juste pour se mettre dans l'ambiance, ouais. Parce que bien sûr, pour ceux qui connaissent pas trop l'univers d'Harry Potter, les différentes maisons dans lesquelles sont répartis les élèves gagnent des points durant toute l'année. À la fin, il y a la coupe des 4 maisons. Et c'est ceux qui ont accumulé le plus de points qui gagnent la coupe des 4 maisons. Et donc, il faut des points pour Gryffondor, il faut des points. C'était vraiment bien, monsieur Potter, mais arrête de parler, je suis dans le menu, je vais réduire juste la sensibilité, parce que là, j'y vais un peu vite à chaque fois. J'ai pas le temps de faire un truc précis. J'accorde 10 points à Gryffondor. Donc à chaque fois, si on se démerde, je crois qu'on peut en gagner genre 50 des points. Allez, hop, putain, c'est pas évident. Non, vraiment, faut être assez précis. Voilà, 80, j'espère que je vais y arriver. Oui, allez. Qui c'est le papa? Parfait, monsieur Potter. Excellent. Bon, bien sûr, il y a des modèles beaucoup plus chiants après. 15 points à Gryffondor. C'est tout là? Encore une fois, oh merde, là faut faire un 100% à tous les coups. Vous êtes capable. Putain. 95, il est malade. Putain, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Bon, là, j'y arriverai pas. J'ai fait encore moins qu'avant. Voilà. Bel effort, mais ce n'est pas... Non, essayez pour rigoler au lieu de vous marrer, je vous jure, c'est vraiment pas évident, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, on a une séance après, qu'on est après un sort, où il faut faire tout un parcours d'obstacles pour maîtriser le sort. Et c'est avec des pièges, des trucs comme ça, des étoiles à ramasser, vous verrez bien. Et mais à chaque fois, Harry Potter, bah, c'est le seul qui est appelé pour faire l'exercice. Et ça dure une plombe. C'est-à-dire que le prof, il passe bien une heure avec nous, et les autres, il les laisse en plan dans la salle. Pour déterminer votre cible, puis relâcher le bouton pour lancer ce maléfice sur cette cible. Et essayez sur ce tonneau. En plus, c'est des exercices où on risque sa vie, quoi. Ils sont tarés à Poudlard. Je sais, c'est un jeu vidéo, mais j'adore être de mauvaise foi comme ça. Flippendo. Flippendo. Donc, c'est un sort tout con pour repousser des objets. Ah,
Oh, c'est parti. Le flipendo. Oh. Vivement que je débloque le Wingardium Leviosa. Ceux qui ont vu la vidéo. Alors. Oui, il y a 16 étoiles et il faut ramasser toutes les étoiles pour avoir un maximum de points pour Gryffondor. Alors, le flipendo, ça sert. Ah bah il est déjà là lui. Lancez un flipendo sur l'interrupteur situé sur le mur pour ouvrir la porte. C'est sur le mur. Le maléfice de flipendo affecte toutes sortes de choses, comme ce chaudron par exemple. Tenez, monsieur Potter, renversez-le. Il m'apprend à être un vandal là. Juste voir. Et maintenant, à vous de deviner comment faire pour traverser ce pont. Non, on voit rien derrière sa tête. Non, non mais souvent il y a des trucs derrière sa tête, hein, n'est-ce pas? Hein, n'est-ce pas? Du coup, un Avada Kedavra, c'est bon, j'ai terminé les 7 jeux d'un coup là. En spoil. Alors, la première étoile. Ça sert vraiment à rien ce ramassage de points, mais c'est juste pour se mettre dans l'ambiance d'Harry Potter. Ouais, on ramasse des points pour Gryffondor. Alors, je crois qu'il y a un truc là. Alors, on va éviter de tomber. Non, on peut pas tomber là. Il y a vraiment un gouffre en dessous. Hein. Ces profs inventent des exercices dans lesquels on peut vraiment crever. Voilà. Passage secret. Oh, comme vous l'avez pas vu tellement. Vous l'aviez pas vu tellement il est trop bien dissimulé. Ça, c'est un des aspects qui m'avait vraiment plu dans ces jeux. Bah, c'est. On est dans une école de sorcellerie. C'est un immense manoir. Et des passages secrets, il y en a de partout pour débloquer des. Des cartes, des trucs de Bertie Crochu, n'importe, c'est juste. Le fait qu'il y ait beaucoup de passages secrets, ça m'éclatait. Au travail, à présent, allez récupérer des étoiles, je vous retrouverai plus loin. Et vous verrez pendant tout le jeu, bon, c'est normal, c'est un jeu vidéo et c'est Harry Potter le héros, mais à chaque cours, bah, ce sera Harry Potter le seul utilisé quoi, pour les exercices pratiques. Les autres, mais les profs n'ont rien à foutre, c'est impressionnant. Allez, 2 étoiles. Si je dis pas de conneries, il y en a 5 dans ce niveau. Nick quasi sans tête. Bonjour Harry, mon nom est Nick quasi sans tête. Je suis le fantôme des Gryffondor. Voici un livre de sauvegarde. Lorsque vous le touchez, votre partie est automatiquement sauvegardée. Si vous échouez, vous recommencerez votre partie à cet endroit. Vous pouvez également charger une sauvegarde à partir du menu principal. A bientôt. Ça a toujours fait rire dans les jeux quand on. T'as un personnage qui se prête au jeu et il joue son rôle. Et d'un seul coup il te parle de touche, de bouton, de menu principal, de sauvegarde, c'est toujours bizarre. Ouais donc là je suis sur un Windows 7 donc c'est vachement récent par rapport à XP, vu que ce jeu était plus prévu pour des Windows 98 ou XP. Donc du coup à chaque fois qu'il y a un chargement avec l'objectif, bon, on n'a même pas le temps de le voir. Vous allez me dire super, comme ça il n'y a pas de chargement pratiquement. Mais ce qui est un peu chiant, c'est qu'à chaque fois, pour chaque niveau, il me dit combien il y a de cartes et de passages secrets que je vais devoir trouver. Et là, à chaque fois, j'ai pas le temps de voir ce qui est combien il y en a. Donc je vais devoir tout jouer en me basant sur ma mémoire simplement. Et comme ça fait des années et des années que j'ai pas joué à ce jeu, eh bien ça risque d'être un peu laborieux. Je vais tenter de faire un 100% quand même, parce que juste pour le principe, quoi, j'aimerais avoir. Pourquoi il n'y a rien qui s'ouvre? J'aimerais avoir toutes les cartes, quoi, parce que merde, quoi, c'est pas un jeu compliqué non plus, je vais tenter le 100%. Là, j'ai passé en vide. Ouais, je sais pas, il envoie des nuages comme ça, je sais pas pourquoi. Flipendo! Ah bah voilà. C'est quand même assez énorme ces dragées, quoi. Rappel les dragées surprises de Bertie Crochu. Oui, parce qu'il y en a qui ont ni lu ni vu les films, qui s'en foutent totalement de Harry Potter. Mais maintenant que vous êtes là, je vais vous en parler. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je pensais qu'on le reverrait plus de l'exercice. Lancez un maléfice de Flipendo sur ce bloc pour l'écarter de votre chemin. Pratique la téléportation. Du coup, je disais quoi? Il m'a surpris, l'autre, le turban, là. Merde, je disais quoi? Oui, les dragées surprises de Bertie Crochu, c'est des bonbons et c'est au goût totalement aléatoire. Il y a des centaines de milliers de goûts différents. Ça peut être des trucs super bons ou incongrus ou parfaitement dégueulasses.
Enfin, le fait de me replonger dans le jeu, mais ça me donne envie de me replonger dans les films, quoi. Point de sauvegarde, regardez le temps que ça va mettre. Putain. Pète les vases. Non, et là, les professeurs ont mis en place un truc pour que je devienne un vandale, quoi. Allez-y, pour votre exercice, vous avez pété des vases, vous avez tout déplacé, vous avez renversé des tonneaux, vous avez foutu le merdier dans Poudlard, quoi. D'ailleurs, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont des gouffres sans fond à Poudlard. Là, vous allez voir, là, on n'a pas bien vu. Oui, c'est un jeu, mais j'aime bien être de mauvaise foi. Ah. Regardez. C'est quoi? C'est juste un effet de lumière ou on va tomber dans l'espace, dans le néon infini? Je crois qu'ils ont construit Poudlard sur une faille dimensionnelle assez dangereuse. C'est tellement génial pour être déménageur, ça. Oh, Flipendo! Oh, le voilà! Les dragées surprises! Ah, vise bien, voilà. Donc, niveau ennemi, y a rien de bien effrayant dans ce jeu. C'est plus les niveaux, au niveau de la plateforme que ça risque de douiller un petit peu. Y a des passages un petit peu chiants quand même dans ce jeu, faut pas croire. Et je veux bien tenter le 100%, mais le sans crever une seule fois, ça, j'y crois pas trop. Parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Comment on fait là? Il me semblait que c'était. Oui, non. Non, en fait, pourquoi j'ai fait ça? Il y avait même pas. Hop. J'ai toujours peur qu'il se raccroche pas, quoi. Ça, c'est ma hantise dans ce jeu à chaque fois. Allez, 4ème étoile. Non, 5ème étoile. Je me rappelais pas que c'était si court là, on est déjà. Ah bah c'est cool, on aura le temps d'arriver jusqu'au Wingardium Leviosa. Pour ceux qui connaissent pas, mais taper Wingardium Leviosa, c'est. Et normalement c'est dans les premiers résultats, c'est une vidéo animée Harry Potter, un petit dessin animé. C'est juste dégueulasse, mais c'est super drôle quoi. Ils ont toujours fait peur ces fantômes. Juste pour se mettre dans l'ambiance, il y a des. Bon, on peut croiser des fantômes dans le jeu, pas comme Nick Cage sans tête, mais on voyait de temps en temps une femme en blanc traverser les murs. Ça a toujours fait délirer, ça. Je me demandais, mais jusqu'où ça va ou comment c'est géré? C'est assez perturbant. Alors que c'est juste un bête élément du décor, quoi. Mais quand t'es petit, tu te poses plein de questions. Et si je dis pas de conneries, par rapport à l'univers d'Harry Potter, c'est la Dame Blanche. Non. Comment on l'appelle? La Dame Grise. Je crois que dans l'univers d'Harry Potter, c'est la Dame Grise, oui. Oula, ça fait tellement longtemps. Tout ce qui est les livres 1, 2, 3, 4, je les ai eu qu'une fois, et encore, c'est il y a un bon moment, donc je m'en rappelle absolument pas. Mais alors, le 5, le 6, le 7, mais je les ai tellement torchés, ces bouquins. En plus, j'ai fait n'importe quoi dans l'ordre des livres. Je crois que j'ai fait le 5, ensuite le 1... J'ai dû lire le. Bah, après, j'ai fait 2, 3, 4 et ensuite le 6, le 7. Ouais, parce que. On m'avait offert le 5, j'avais peur des gros bouquins, je me disais non, j'ai pas envie et tout. Et puis on me l'a offert. Là, on se dit merde, bah, va bien falloir que je m'y mette. J'ai rien compris, parce que niveau des films, c'était à l'époque où il y avait eu le 1, 2, 3 et pas le 4. Donc je suis passé du 3 au 5, je ne prenais rien. Puis ensuite, j'ai vu le 4, ensuite j'ai relu le 1, le 2, enfin, c'est un merdier. J'aime bien faire les trucs. J'ai eu peur, pardon. Bruit de constipation. J'ai eu un peu peur. Ah bah c'est bon, on est à la fin. Je suis même pas mort dans le premier niveau. C'est incroyable. Je disais, c'est comme pour les films Matrix. Dans l'ordre, j'ai fait le 1, le 3, le 2. Parce que fuck you. C'est ça, c'est pour ça. Oh non, j'avais oublié ces petites merdes. Voici un gnome, monsieur Potter. Sachez que tous les gnomes adorent harceler les jeunes sorciers. Pour réussir cet exercice, lancez-lui un Flipendo. J'adore les musiques de ce jeu, j'avais complètement oublié ces musiques. Ils se déplacent rapidement et peuvent vraiment devenir gênants. Ça a l'air de rien cette petite mélodie, mais franchement, je trouve qu'elle passe trop bien, quoi. Ah, toi, je t'ai pas eu derrière ton canapé. La tronche, on dirait tellement une pomme de terre. Je crois que dans un des livres, on compare à une pomme de terre, quoi, je crois. Bon, bref, c'est pas important. Alors, faut vite les assommer. Merde. Oui. Non!
Dégage! Alors, non, non, rends-moi mes dragées. Ah, c'est juste pour ça qu'ils sont chiants, c'est qu'ils vous piquent vos dragées, quoi. Et on peut pas les récupérer. On va en récupérer là, voilà. Il me semblait qu'après on allait devoir les jeter quelque part, mais ça c'est dans le 2. À partir du deuxième jeu, ils réapparaissent ces gnomes, mais il faut les renvoyer dans leur terrier. D'ailleurs, ça fait un raffut pas possible. C'est assez drôle ces personnages finalement. Félicitations, monsieur Potter. Potter tout court. Vous avez réussi pas avec 3 P, un seul. Vous avez ramassé toutes les étoiles, je donne donc 20 points à Gryffondor. Et maintenant, dépêchez-vous, ou vous allez arriver en retard à votre cours de balai volant. Ah oui, c'est maintenant le balai volant. De retour dans la salle commune des Gryffondor, Harry, Ron et Hermione discutèrent de leur premier jour à Poudlard et sur le cambriolage survenu chez Gringotts, la banque des sorciers. Mais ils n'eurent que peu de temps pour bavarder, car ils étaient attendus au cours de balai volant de Madame Bibine. Petite Bibine. Ouais, le jeu est sur un PC beaucoup trop récent. Donc là, une carte des sorciers et sorcières célèbres secrètes et un passage secret. Coup de bol, je sais parfaitement où il est. Oula. Ouais, le jeu galère parce qu'il est pas fait pour tourner sur je un PC comme Madame ça. Bibine, votre professeur. Pour votre première leçon, vous allez devoir voler à travers ces anneaux magiques. Dirige ton balai à l'aide des touches fléchées. À moins que ce soit frappe, ce qui me fasse des misères encore. Les touches d'accélération et de frein te permettent d'ajuster ta vitesse de vol. Ah, c'est ça. C'est parti. Et comme par hasard, c'est Harry, Harry qui fait l'exercice. Coup de sifflet, c'est parti. Alors. On va pousser déjà. Ouais, mais là... Oula. Ah ouais, pour le coup, je suis obligé de remettre en... Oh, c'est chiant. Voilà, je suis obligé de remettre comme ça pour l'occasion. Parce que là, sinon, je peux pas me servir efficacement de la touche ralentir et accélérer. Hop. Voilà la carte. Voilà, c'était le passage secret. Alors maintenant, l'exercice. Je sais plus combien il faut prendre d'anneaux pour avoir le maximum de points. Mais là, déjà, c'est raté pour avoir le max de points puisque... J'ai perdu du temps à aller chercher la carte, c'est pas grave. C'est juste marrant. Hop. Donc qu'est-ce que je disais juste avant? Voilà. Ah. Ah, c'était tellement froid ce truc. Merde, je sais même plus ce que je disais. Oui, j'allais dire, dans la version PS1, il me semble qu'il y a beaucoup plus d'allers-retours et de balades dans l'école, alors que là, on passe souvent d'une zone à l'autre directement. Mais vous en faites pas, ceux qui aiment bien se balader, bah... Oula, c'est encore plus difficile ça. Voilà, tu gueules, Bibine. Et qu'est-ce que je disais? Il y a quand même pas mal de phases où on se balade dans le château, faut trouver des passages secrets ou quoi, pour ceux qui aiment bien. Donc rassurez-vous. Il y a combien d'anneaux encore là? Ah, pas mal. Ouais, j'arriverai pas à les avoir. Et après... Ah merde. Ta gueule. Et c'est maintenant avec les anneaux en mouvement. J'aimerais bien arriver au bout de l'exercice pour une fois. Moi, j'ai dû y arriver déjà, mais je me rappelle plus. Mais ça sert à rien tes commentaires. Tiens, le Harry, il apprend vite à manier le balai quand même. Normalement, c'est la première fois qu'il est censé toucher un balai et là, oh, score parfait, limite. Allez, non, allez. Non, il m'en restait combien? Ah, saloperie, tout ça à cause de la carte. Et toutes mes félicitations. Tu es le premier élève depuis 1867 à avoir découvert la pièce. Je me demande comment les autres élèves ont fait pour ne pas découvrir cette pièce. Sachant que tu passes à côté, ça s'ouvre. Tu pourras accéder à l'option dans le menu principal. Je sais pas si vous avez noté la taille de la carte. C'est l'heure de ton cours d'enchantement. À bientôt, c'est... Harry.
C'est même plus des cartes de collection, vu la taille, c'est des nappes. Alors là, c'est deux cartes de sorcier, 7 passages secrets. Ah, là on approche des niveaux intéressants. Alors déjà, on va sauvegarder parce qu'il faut bien. Alors, Flipendo. Hop. Ensuite, les armures magiques qui bougent toutes seules, là. Pareil. Oh, Flipendo. Oh. Oh, comme je te massacre. Voilà, c'est bon. C'est toujours ça en plus. J'aimerais pas me retrouver à court de dragée surprise quand je tombe sur près des gens pour rater des cartes. Parce que je le rappelle, si je rate une carte, je pourrais pas la récupérer. Alors, on va voir Hermione qui a un nouveau sort pour nous. Tu es drôlement en avance pour le cours, Harry. Je vais en profiter pour t'apprendre un nouveau sort que j'ai découvert toute seule. C'est le sort d'Alohomora. Il te permet d'ouvrir tout ce qui a été verrouillé avec un sort. Mais ne va pas te mettre dans de sales draps, hein. Voici le symbole d'Alohomora. Dès que j'ai terminé, maintiens le bouton gauche de la souris enfoncé et dessine ce symbole. Alors là, ça va être déjà un peu plus chaud. Relâche le bouton. Alors, le sort d'Alohomora, c'est simplement pour débloquer les passages secrets, les coffres et les trucs comme ça. Bon, là, j'ai fait carrément de la merde. Non, j'ai pas bu, pourquoi? Bah, c'est comme si. Hein. C'était bien, mais je pense que tu peux faire bien. C'est tellement. Elle est tellement chiante, celle-là, elle se permet de donner elle-même des points à sa maison. Quoi. Tu donnerais 5 points à Gryffondor pour un maléfice aussi bien réussi. Tu commences à prendre le coup de main. Ah, c'est pas grave, hein. Bah, regardez, je sais jouer un petit peu les profs, alors je nous rajoute moi-même des points. T'es pas une prof, espèce de connasse. Alohomora. Oui. Bravo, tu te débrouilles comme un chef, Harry. C'était vraiment très réussi, Harry. Je suis sûre que le professeur Flitwick te récompenserait de 10 points au moins. Tu commences à prendre. Ce serait tellement, mais la guerre civile permanente entre les différentes maisons, si tous les élèves pouvaient eux-mêmes se donner des points comme ça. Quoi. Ah merde, j'ai pas terminé. En fait, c'est très bien comme ça aussi. En fait, ça sert à rien d'aller vite, je vais prendre mon temps, ça ira mieux. C'était excellent, Harry. Le professeur Flitwick serait très fier de toi, Harry. Je suis certaine. Mais d'où tu parles à sa place? Plus tu t'entraîneras, plus tu maîtriseras ce sort. Alors essaie encore. M'en fous ce que t'as à me dire. Je vois pas en quoi je m'entraîne à utiliser ce sort là. Allez, 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 allez. Ouh. Alohomora. Prends-toi ça. C'était excellent, Harry. Le professeur Flitwick te donnerait sûrement au moins 20 points pour cette prestation. Bon bah, easy, hein. Easy. Il nous reste encore quelques minutes avant le début du cours. Alors essaie de lancer un Alohomora. Cette porte là en face de nous est verrouillée à l'aide d'un sort. Lance un Alohomora pour l'ouvrir. Vous voyez, à chaque fois, peu importe ce qu'on fait, il y a Serpentard qui domine toujours au niveau des points. Ça, je sais pas pourquoi. Serdaigle, ils sont un petit peu à part. Ouais, nous on essaye de mettre des points parce que oui, voilà, c'est le jeu. Et Poufsouffle, mais c'est tellement. Mais c'est les Forever Alone de Poudlard, quoi. Ils servent à rien. Il n'y a jamais de grands sorciers qui sortent de cette maison. Franchement, c'est les pauvres merdes, les exclus, c'est les rebuts de toute la société. C'est Gryffondor, c'est les grands, ceux qui vont faire des grandes choses toute leur vie, qui courage, honneur, etc. Poudlard, ça va être les mange-morts, les connards, les mages noirs, etc. Serdaigle, c'est les sorciers basiques, on va dire, les intellos, tout ça, et Poufsouffle. Personne n'a jamais su ce qu'ils sont devenus. Alors, remarquez, oui, je sais, je me fous encore de la gueule de ce jeu parce que je l'adore, oui, c'est parce que je l'adore que je me fous de la gueule de ce jeu. Ils ont pas bien compris comment ça marchait à Poudlard, c'est qu'ils ont pas mis le cadenas
dans les poignées, enfin comment dire, les, ouais, les poignées de porte ou quoi, ils ont collé le cadenas sur la porte. Lance le sort sur cette. Je me fous de ce que t'as à me dire. Allez, allô Mora. Oh, ça s'ouvre. Tu as réussi. Voyons. Tu crois que tu peux trouver les deux secrets qui se cachent dans cette pièce? Ah bah non, alors je vais jamais y arriver. De toute manière, si jamais je les trouve pas, bah je pourrais jamais sortir d'ici. Ah. Bon bah une carte, hein. C'est toujours ça de gagner. Tiens, j'ai pas lu la carte que j'avais découvert. Regardez ce truc, c'est un dessous de plat. C'est aussi grand qu'un dessous de plat. Et ça flotte dans les airs. Ah ouais, je vais lire la carte de Merlin, vu que j'ai oublié de la lire tout à l'heure. En même temps, j'étais un peu sur un balai, donc j'avais pas trop le temps. Alors, Merlin... Et eh oui, le fameux Merlin. Alors, Tilly Talk. Quoi? Des griffes d'un fragon? Qu'est-ce qu'un fragon? J'ai jamais noté qu'il y avait des fautes d'orthographe. Enfin, des fautes de frappe. Oh, un fragon! Fait comme un dragon, mais avec un feu sur la langue. C'est un fragon. Bref, qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. C'est pas grave, ça devait pas être important. Alors, en général, sur les bibliothèques comme ça, bah voilà, ça c'est le secret. Et les miroirs, c'est pareil. Quand tu auras fini de t'admirer, Harry, tu pourras peut-être jeter un coup d'œil sur ce coffre magique. J'aime pas ce ton qu'elle prend, elle est lance vraiment un chiant. Anneau au Mora pour l'ouvrir. Alors, déjà, passage secret. Oh là là, je ne m'y attendais pas. Choco-grenouille. Alors autant dans le 1 c'est une très bonne idée d'avoir foutu des choco-grenouilles qui a sur place, autant dans le 2 c'est... Bon d'accord, c'est plus proche de l'univers des ces trucs qui sautent partout, mais choco-grenouilles ça saute de partout dans le 2, et pour les choper, mais c'est chiant quoi, t'es obligé de courir après. Ah, saloperie. Des dragées surprises de Bertie Cochu. Et on termine par ça. Et voilà. Alors pareil, quand on voit un grand tableau comme ça en général, surtout que... Regardez, il est un peu enfoncé dans le mur, on peut se douter que c'est une porte. Oh là là. Un passage secret. Oh là là, un coffre. Alors que ce soit des coffres en bois, en fer ou doré, ça change absolument rien. C'est juste l'apparence qui change. Et on termine. Alors là, il y a encore deux passages secrets. Mais j'ai pas fini, tais-toi! Oh! Dommage qu'on puisse pas utiliser des sortilèges de mort dès le début. Et Harry, regarde ce que j'ai trouvé! Avada Kedavra! Ah non, mais elle est tellement chiante pour ce jeu, Hermione. Non, en fait, elle est chiante tout court, Hermione, mais dès le bouquin, surtout dans le film. Mais dès le premier film, mais qu'est-ce qu'elle est chiante, Hermione, mais c'est à crever quoi. C'est le perso type qu'on a envie de frapper parce que le jeu sait tout et voilà. Ah, saloperie. Heureusement que l'actrice c'est bien. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait. Je crois que j'ai rien oublié. Alors là, nous allons apprendre le fameux sort. Celui qui m'a motivé pour faire ce walkthrough. Ce walkthrough. Bienvenue à vous tous, jeunes sorciers. Je suis le professeur Flitwick, et aujourd'hui, nous allons apprendre à lancer un sort de lévitation, le Wingardium Leviosa. Ah, Wingardium Leviosa. Observez bien le symbole du Wingardium Leviosa. Après moi, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, et reproduisez le modèle, puis relâchez le bouton. Le Wingardium Leviosa, qui est un sort de lévitation d'objets, en fait. On peut... Je crois pas que... Si, il me semble qu'on peut faire léviter des gens aussi, mais c'est surtout pour des objets. Ça m'a carrément donné envie de revoir les films, ça. Wingardium Leviosa. Leviosa. Quelle brillante prestation, Harry. Ah. J'accorde 5 points à Gryffondor. Il m'a toujours fait marrer avec Flitwick, c'est... Le petit gnome, quoi, c'est... Il est assez drôle. En plus, il est assez balèze, visiblement.
Ah. Par contre, sa voix, franchement, ils ont déconné. Quoi. Bah, je vais pas droit. J'ai abusé des dragées surprises. Hein. Tu me l'avais au sang. Vous voyez comme il donne pas de marge du tout. Si on n'est pas pile au milieu, il considère qu'on est totalement à côté, donc du coup, on n'a pas un trait parfait. Celui-là, j'ai jamais réussi à faire un perfect sur celui-là, alors je sais pas aujourd'hui, je vais y arriver à mon avis. Il faut être vraiment, il est tellement pile au milieu. Hein ? Allez, si j'arrive à faire 4, mais c'est tellement un accomplissement personnel de faire un perfect sur tous les sorts. 15 points à Gryffondor. Essayez d'aller un peu plus vite cette fois. Ta gueule, Flitwick. Non, j'y arriverai pas. Monsieur Flitwick, j'ai échoué. Je vous ai trahi. Ah. 5% bordel. Ah non non non. Quel dommage, vous y étiez presque. En plus normalement c'est le mouvement de baguette, c'est pas un W, c'est un, c'est quoi, c'est un demi-cercle et baguette en, vers le bas, un truc comme ça. Vous allez, on tourne et on abaisse comme dans le film. Oh. Afin de vous entraîner à lancer ce à tout hasard, Harry Potter. Par le plus grand des hasards. Il est vraiment petit. Wingardium Leviosa sur cette statue, puis placez-la sur ce grand sort. Oh. Ah, ça aurait été tellement bon. Oui. Très bien. À présent, allez récupérer les étoiles. Je vous retrouverai en fin de parcours. Bonne chance, Harry. Et bonne chance. Si tu es encore en vie. C'est marrant, lui il ne me parle pas du tout des étoiles. Ah. Les profs s'en foutent des étoiles, pourtant ils nous les réclament. Va te faire foutre tout simplement, Flitwick. Va te faire foutre. Ah, Technome. Ah. Flipendo. Oh. Hop. Ils me font vraiment délirer ces puces. Ces petites merdes, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment des petites merdes ces trucs. La caméra est un peu capricieuse à la souris, mais ça, c'est normal. Sauvegarde instantanée. Oh, voilà. On n'a même pas eu le temps de la voir venir. Bon, évidemment, plus on ira dans l'apprentissage des sorts, plus on aura des parcours d'obstacles ardus. Ah, je ne sais pas combien il y a de cartes et de passages secrets ici. Ben non, forcément, les écrans de chargement, ils vont un peu vite, vous le savez. Donc il y a toujours cette petite peur d'oublier des cartes. Hein. Enfin, c'est plus fragrant. Fragrant. Oui. Fragrant. Oui, monsieur. C'est plus flagrant dans le 2. Là, on a beaucoup plus de possibilités de passage secret. Mais bon, au moins dans le 2, il y en a que très peu des passages où on peut rater des cartes, vraiment. Des passages obligés pour trouver des cartes, il n'y en a pas tant que ça. Sinon, en général, il faut gagner des... beaucoup de dragées, en général, ça passe. Que là, ce sont... dans le 2, ce sont les joueurs... Enfin, les joueurs, non. Les différents élèves de Poudlard qui en vendent. Allez, galère un petit peu le bloc. Et oui, physique de 2001. 2001, putain, il date un peu ce jeu quand même. Mais c'est toujours aussi bon. Oh, Leviosa. Voilà, ça passe. Et la statue, je crois que je t'ai pas vu au milieu. Donne-moi tout ce que t'as. Donne-toi à fond. C'est tout. C'est tout. Sérieusement? Et eux, ils sont sonnés pour l'éternité, c'est bien triste. Bon. Là, je me rappelle qu'il y a beaucoup de gouffres dans ce niveau. Ah, la musique.
Il n'y a rien à dire, elles sont juste magnifiques, les musiques de ce jeu. Quoi. Allez, c'est parti. Petit truc marrant, je vais vous montrer. Bon, ça faisait rire que moi à l'époque, puisque ça m'a toujours fait rire quand j'étais petit des bugs dans les jeux. Hop, si on fait tomber dans le vide, on peut le faire tomber sur notre gueule d'ailleurs, et ça fait un truc bizarre, je crois. Normalement, je crève là. Hop. Voilà. Allez, va dans le vide. Et au cas où on est assez con pour faire ça, il va réapparaître. Voilà. Oh, je suis dans le bloc et c'est drôle. Et oui, on s'éclate comme on peut à l'époque sur des jeux pareils. Hein. Voilà, ici. Je n'ai pas oublié de passage secret. Non. Je vais être parano pendant tout ce... Pendant tout ce jeu là, à chaque fois je vais me dire merde, est-ce que j'ai pas oublié des passages secrets ou quoi. Ce qui est con, c'est qu'il n'y a pas un mode genre quand on appuie sur échappe, il vous reste tant de passages secrets pour ce niveau ou quoi, c'est dommage. Pourquoi mettre les points là alors qu'ils sont aussi là? Je sais pas. Dans le doute, je suis tenté d'activer l'option saut automatique, mais je me dis non, ça ferait vraiment assister. Regardez, il y a un gouffre, mais sans raison, ils ont mis un putain de. De gouffre noir quoi. What you say? Mais... Pourquoi tu t'es pas accroché, pignouf? Mais tu veux mourir? Mais j'étais collé au rebord, pourquoi il s'est pas accroché? Ah ça y est, je me rappelle maintenant pourquoi je flippais autant sur ce jeu, sur est-ce qu'il va se raccrocher ou non. C'est parce qu'il y a des moments où il ne se raccroche pas, tout simplement. Ah oui, là je l'ai récupéré. Ah putain d'enfoiré quoi. Il s'est pas raccroché cet enfoiré. Non, j'ai envie de tester le vide là, le vide intersidéral. On dirait vraiment que Poudlard était construit mais sur une faille spatio-temporelle quoi. C'est toute une fissure dans l'espace-temps quoi. C'est encore plus flagrant vers la fin du jeu quand on doit aller à la rencontre du boss final, sans vouloir spoiler, vous voyez. Là y'a pas un truc avec le miroir? Non. Les lampes, je crois qu'il n'y a jamais de passage secret dessus. Enfin, les torches. Alors là, il y a un truc. D'ailleurs, on peut voir la délimitation, je crois. Non. Si, on voit un petit peu la délimitation juste là devant du truc qui va s'ouvrir. Oh, ça va, c'est normal, c'est pour l'époque. C'est pas subtil et c'est très bien comme ça. Franchement, c'est très correct pour l'époque. Hop. Et oui, s'il y a moyen de récupérer des étoiles au passage. Hein. Mais c'est marrant, mais quand j'étais petit, il me semblait que ces niveaux, ils étaient bien plus longs que ça, quoi. Et là, je me rends compte qu'on n'a plus qu'une petite séquence plateforme et on a terminé le parcours Wingardium Leviosa, quoi. Ah, putain, j'arrive pas à croire. Dès la première vidéo, je suis mort, quoi. Ça aurait pu être vers la moitié ou dans les toutes dernières, limite le boss de fin. Mais non. Voilà, je crève dès le début. Alors là, il y a trois coffres. Pouf, pouf, pouf. Il galère un petit peu parfois pour sans aucune raison, parce que pour rigoler, attendez, juste pour rire. Alors, ce jeu réclame en configuration combien de mémoire RAM? 32 MO. Oh là là, je dois pas être à jour, c'est pour ça. Il doit me manquer un peu de RAM. Ah. Alors, lui, c'est qui? Il n'y en a que certains qui me sont restés en tête des sorciers célèbres. Notamment un avec une méduse sur la tête. Je sais pas pourquoi. Alors, voilà. Burdock Muldon. Président du Conseil des Sorciers. Classe. Bon, elles sont marrantes ces illustrations en plus. Dumbledore. Ça m'a toujours fait marrer dans le film. Au tout début du premier film, quand Harry déballe une des chocogrenouilles, il dit « Oh, j'ai Dumbledore !» Il regarde sa carte à nouveau. « Bah merde, il a disparu !»« Bah oui, tu crois pas qu'il allait rester là toute la journée ?»« De quoi ?» Il s'agit dire que Dumbledore, à temps plein, il est professeur de... Enfin, il est directeur de Poudlard, mais quand il a un peu de temps, bah, il joue son rôle de carte à collectionner. C'est fabuleux.
Là, ça c'est marrant, c'est comme tous les portraits des portraits animés dans Harry Potter. Bah, on peut dialoguer directement avec les portraits comme si c'était la vraie personne, quoi. Hop. Et je crois que j'ai oublié un truc là-bas. Non, il y a juste une étoile là, c'est tout. Et cette fois, tu vas te raccrocher, petit con à lunettes. Et on repart direct. Wouah ! Parcours, si. Bon, il était encore plus simple que l'autre parcours, celui-là, j'ai l'impression. Bon, je crois que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié des trucs, je suis très triste. Félicitations, Harry ! Vous avez réussi l'exercice ! Vous avez récupéré toutes les étoiles. J'accorde donc 20 points à Gryffondor. A bientôt, Harry. Hein ? Ah, cette proposition limite malsaine, quoi. A bientôt, Harry. Ah, c'est limite dégueulasse vu comment il me l'a proposé, quoi. Surtout venant de ce prof, quoi. Oh, Leviosa. Oh. Yeah. Tiens. Et là, il y a rien. J'ai eu des dragons. Bon, bah là, on est bien. Alors là, 3 cartes et 3 cachettes. Faudra que je me rappelle pour la prochaine fois. Bon bah franchement là on a bien avancé quoi, c'est cool franchement. De me remettre à ce jeu, bah ça me fait vachement plaisir quoi. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi. Pour ceux qui ont envie un peu de nostalgie et qui sont là, ils se disent oh c'est vrai que ce jeu était cool, ou oh putain c'est vrai qu'il a vieilli, qu'il est devenu nul ce jeu. Et pour ceux qui découvrent, qui ont jamais joué à ce jeu, bah j'attends vos réactions. Si vous y avez jamais joué, que vous voyez un jeu pareil, est-ce que vous soyez connaisseur ou non d'Harry Potter, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous donne envie d'essayer le jeu? Ça vous donne envie de vous intéresser à Harry Potter ou quoi? J'attends vos commentaires. Alors d'ici là, bah, si vous avez envie de continuer ces vidéos et de me suivre dans cette aventure sur Harry Potter, bah, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez... un maximum de news, j'en fais plus régulièrement en ce moment, ça se passe sur la page Facebook Materia FF7 et j'ai également un petit compte Twitter pour publier des conneries, un peu quand j'en ai envie. Donc voilà, vous avez tout à votre disposition, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez ou quoi, je suis ouvert à tout et je réponds en général très souvent. Bon, sur ce, je vais aller encoder tout ça et à la prochaine.